toute image, qu'il s'agisse d'une peinture, d'une photographie, d'une vidéo, bref, toute œuvre à deux dimensions, est contenue dans un cadre. Le cadre, c'est la limite, la bordure, l'entourage de l'image. Le mot cadre vient du latin quadro, qui signifie objet carré. Pourtant, le cadre d'une image est le plus souvent rectangulaire, même si, au final, il peut prendre n'importe quelle forme. Les artistes doivent donc composer leurs œuvres à l'intérieur d'un cadre, disposer les éléments dans la surface. Ils peuvent choisir de laisser un élément en partie hors cadre. Le cadre, c'est aussi, par extension, la bordure dans laquelle on place l'œuvre bidimensionnelle, l'objet cadre. Dans ce cas, il a des fonctions pratiques. Il assure la protection de l'œuvre. Mais il a aussi d'importantes fonctions esthétiques. Il circonscrit l'œuvre et appuie son caractère de monde autonome. Comme le disait Baudelaire, un cadre ajoute à la peinture je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté en l'isolant de l'immense nature. Il délimite en effet l'œuvre par un contour net qui en précise la forme d'ensemble. Il ménage une transition entre l'œuvre et son entourage quotidien et il la met en valeur par le contact avec une bordure dont le style et l'aspect en flattent encore l'apparence. En 1939, le peintre Nicolas Poussin demandait dans une lettre adressée à son commanditaire Paul Fréard de Chanteloup d'orner les Israélites recueillant la manne dans le désert d'un cadre, afin que l'œil puisse se concentrer davantage sur les éléments peints sans être gêné par les éléments extérieurs. Le cadre en tant qu'objet sert donc à protéger visuellement l'œuvre. On se concentre ainsi davantage sur ce qui est représenté. Le cadre valorise la peinture, la met en valeur. En 1982 et en 2004, l'artiste Ernest Pignon-Ernest dessine puis imprime 300 cadres dorés. Il les colle ensuite à travers la ville après un repérage rigoureux. La ville devient comme un musée à l'attention du passant, devenu spectateur et attiré sur des détails. Un cadre peut même avoir une valeur artistique par lui-même. Je voulais vous offrir une exclusivité, la chance de découvrir quelques-unes de mes autres peintures. Oh, chérie, oh, trésor. Je crois que j'aurais dû te le dire, on l'a seulement acheté pour le cadre. Quoi ? Oui, c'est un authentique Anton Kreutzer, un cadre très rare du début du siècle dernier. Donc, vous n'aimiez pas ma peinture ? Oh, chérie, oh, trésor, non, pas du tout. Nous retrouverons cette notion de cadre dans une très prochaine vidéo sur le hors-cadre.